Sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Ça vous permettra d'avoir les bases pour Substance Designer si vous êtes vraiment nouveau avec Substance Designer, mais aussi pour les filtres paramétriques. Regardez dans les diffusions en direct et vous allez trouver tout ça sur mon, sur, mon, sur ma chaîne YouTube. Maintenant, euh, je donne un nom, je vais l'appeler Fur Paint. Voilà ah, la taille, c'est pas importante. et on fait OK. Ça, c'est le template, les nodes euh, au début et à la fin, encore une fois, je vous renvoie vers le, le live stream que j'ai fait. Ça permet juste en fait de s'assurer d'avoir un résultat qui marche bien, peu importe le ratio de de, de l'image, c'est-à-dire le ratio euh, longueur-largeur. J'efface la partie au milieu et maintenant euh, ce que je vais faire, alors ça je, je le mets sur le côté, c'est mon graphe de référence. Euh, la première chose dont j'ai besoin, c'est d'un bruit en particulier qui s'appelle le Fractal Sunbase. Alors je pourrais utiliser différents bruits. Mais celui-là a l'avantage d'être paramétrable. Je peux définir la fréquence minimum, la fréquence maximum, ce qui est très pratique pour contrôler mon, mon effet. Je vais utiliser ça en premier. Ensuite, je vais mettre un nœud auto-level. Ce nœud-là, en fait, me permet de bien avoir des valeurs qui aillent du noir au blanc. Et maintenant je vais utiliser, euh, je vais récupérer mon image et je vais m'en servir. Donc pour ça, là pour le moment je n'ai pas d'image évidemment, parce que l'image ça va être votre calque dans Photoshop. Ce que je fais, je copie une ressource, une image que je vais juste utiliser comme exemple. Ça, ça me permet de travailler en visualisant ce que je suis en train de faire. Maintenant, je crée un blend. Je vais me servir du bruit comme masque. Et en haut, bah, je vais mettre le contenu de mon calque, c'est-à-dire de mon input, dans ce cas présent, de mon entrée, comme ceci. Et vous voyez que ça donne un résultat qui peut paraître bizarre à première vue, mais vous allez voir que ça va prendre tout son sens quand je l'utilise avec un autre nœud qui s'appelle le non-directional, euh, non-uniform directional warp couleur, color. Pourquoi couleur? Parce qu'on travaille avec un calque de couleur, comme ceci. Et je le branche dedans en tant qu'input, et maintenant il me faut un bruit qui va contrôler l'intensité. Là, je reprends mon, mon nœud de départ, comme ceci. Encore une fois, je pourrais en prendre un autre, mais j'aime bien avoir ce, ce contrôle-là. Et là, vous voyez déjà qu'on contrôle l'intensité. Maintenant, il nous faut un deuxième bruit pour contrôler la direction de, de chaque fibre qui va être générée. Pour ça, je vais utiliser un Perlin Noise en baissant un petit peu la l'échelle comme ceci et là on commence déjà à voir notre effet euh, on voit qu'il y a des ça part un peu dans tous les sens mais mais c'est là on va jouer un petit peu avec les paramètres d'abord je vais augmenter le trail donc le trail c'est le, le tracé derrière chaque point et on va euh, encore jouer un petit peu avec ça je vais aller jusqu'à 5 là vous voyez l'effet qui apparaît là on commence à être content à avoir quelque chose qui qui, qui fait du sens. Je vais juste jouer avec les paramètres pour avoir un effet qui me plaît. Je pourrais essayer aussi le dégrader, mais je pense que je vais rester à 1, un, un entre les deux peut-être. Voilà, 0,75, non, 0,5, 0 en fait, pardon. Donc, y a... on voit qu'il y a une différence de d'intensité de, de lumière entre mon, mon entrée. Et ce qui est généré par ce nœud. Donc, ce que je vais faire pour ça, je vais le blender avec lui-même et je vais changer le mode à uh, screen, si je me trompe pas. Voilà, celui-là marche pas très bien, mais screen normalement devrait me donner un meilleur résultat. Comme ça, je récupère les, les couleurs de départ. Aussi, euh, pour le moment, il y a de la transparence sur ce sur ce résultat. Et ça, je veux pas ça. Pour euh, éviter d'avoir de la transparence, je vais Juste euh, brancher un alpha merge et changer l'alpha pour une couleur blanche. D'ailleurs, ce que je vais faire par la suite, en fait, c'est récupérer l'alpha. Je le ferai à la fin, un peu plus tard. Je vais récupérer l'alpha de de, de l'image d'entrée. Euh, comme ça, ça permettra de faire des masques euh, si nécessaire et ça ça permettra d'avoir un peu plus de contrôle. Ici, je vais rajouter deux choses. Premièrement, un auto-level pour être sûr d'utiliser toutes les valeurs de, de gris de, de mon perlin. Et je vais faire un essai qui finalement ne va pas s'avérer fructueux d'utiliser un, un histogramme select. Euh, je pensais avoir plus de contrôle. Voilà. Histogram select, ça permet de, de sélectionner en fait une partie des, des niveaux de, de gris en fonction d'un point dans, dans l'histogramme de votre image. Comme ceci, j'augmente le range. Mais en regardant le résultat, finalement, c'est assez redondant avec d'autres paramètres que, que je peux avoir. On voit, ça, ça marche bien, c'est intéressant. Mais il y a d'autres manières de contrôler ça. Donc ce que je vais faire, je vais faire un majuscule D pour désactiver ce nœud. Voilà, il est là, mais en fait, il est complètement ignoré et il sera ignoré au moment de l'export également. Et là, je commence à avoir quelque chose qui me plaît. Je branche ça dans la sortie, ici. Et maintenant, on est prêt à exposer des paramètres. On va commencer avec le Fractal Sum Base, qui a des paramètres intéressants pour nous. Je vais les tester un petit peu et on va voir ce qu'on expose et ce qu'on laisse par défaut dans, dans le, dans le graphe. Donc, sélectionnons-le. La roughness, c'est un paramètre intéressant, mais pas tant que ça. Euh, je vais en définir une par défaut, comme ceci, qui me donne pas mal de profondeur, et je ne vais pas l'exposer. Encore une fois, c'est un choix personnel. Si vous, de votre côté, vous voulez l'exposer, c'est tout à fait possible. Gardez en tête que d'exposer juste ce qui apporte quelque chose à votre grave. L'opacité, c'est pareil. Je pense que je vais en laisser une par défaut parce qu'on peut très vite casser, casser l'effet. Donc je ne sais pas si je veux laisser ça, le contrôle à l'utilisateur final. Par contre, la valeur minimum et maximum, min level et max level, ça, ça m'intéresse. Ça, je, voilà, global opacity, opacity j'en mets un par défaut. Et min level, max level, ça, je l'expose et je vais changer le nom, sûrement. Je vais mettre fréquence minimum et fréquence maximum. Vous voyez que ça, ça, vraiment, ça varie l'effet. C'est pareil, on peut casser l'effet. Peut-être qu'on va clamper les valeurs. Je ne vais pas le faire dans cette, dans cette vidéo, mais c'est quelque chose que vous pouvez décider de faire. Mais en tout cas, ça, ça apporte vraiment un contrôle intéressant à l'utilisateur final. J'expose la valeur minimum, frequency. Nous allons faire pareil pour la valeur maximum, maximum frequency, deux fois. Et nous passons au paramètre suivant. Je vais aller sur le nœud le plus important ici, qui est le non-uniform directional warp color. Et là, il y a pas mal de choses à exposer. Premièrement, l'intensité, évidemment. Je veux exposer ça. Ça me permet de, de contrôler toute l'intensité de, de mon filtre avec beaucoup de précision. Donc non seulement je vais l'exposer mais quand je vais réorganiser mes paramètres ce sera mon premier paramètre par défaut je vais en mettre une à 20 comme ça ça marche très bien euh, ensuite exposons ça intensité le nom va bien je reste là-dessus on presse sur OK je mets un, un défaut à 20 je crois que j'ai mis à 5 Wow, pas grave. Voilà, l'angle, ça, ça nous intéresse, encore une fois, beaucoup de, de, de contrôle, un contrôle intéressant. On expose ceci. D'ailleurs, je peux exposer tous les paramètres d'un seul coup. J'ai fait un clic droit sur le nœud pour les exposer ceux qui m'intéressent. On peut aussi définir l'amplitude des, des angles, ainsi, pour donner un peu plus de directionnalité. Ensuite, on a le trail, encore une fois, c'est le tracé derrière où on peut définir la taille, s'il y a un dégradé, et tout ça, ça nous intéresse et on expose. Ici, on n'est pas trop mal, euh, je vais aussi aller sur mon noeud perlin, je pense, pour choisir en fait euh, l'intensité. Ici, ce que je fais avant ça, c'est je récupère l'alpha, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme ça, ça me permettra de, bah, de pouvoir en tenir compte en fait dans le résultat que que je produis. Donc, avec cet alpha, même à droite, si on voulait, on pourrait rajouter des effets pour avoir une alpha, une alpha qui se mélange bien avec, euh, avec, euh, avec l'effet. Je vais pas le faire ici, mais c'est quelque chose de tout à fait faisable. J'ai une erreur que je ne comprends pas. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Faudrait que je, je regarde en détail, mais c'est pas non plus quelque chose de, de rédhibitoire. Maintenant, je pense qu'il nous en manque un. A voir le nœud perlin. Je sais pas si je l'ai fait. Je crois pas. Maintenant, on va renommer les, les différents paramètres pour qu'ils soient beaucoup plus explicites pour l'utilisateur final. Vous voyez qu'il y a un paramètre que j'ai mis tout en bas. En fait, c'est un, un paramètre par défaut qui est lu seulement par le moteur substance dans Photoshop et qui me permet de récupérer la taille du document. On va renommer tout ceci pour que ce soit plus clair pour l'utilisateur final. Vous donnez les noms que vous voulez, mais encore une fois, donnez des noms qui, qui font du sens pour l'utilisateur final afin qu'il ne se demande pas ce qu'un paramètre... Contrôle. C'est souvent quelque chose qui peut faire peur aux utilisateurs s'ils ne voient pas, s'ils ne comprennent pas ce que ce paramètre contrôle, bah souvent ils n'osent pas y toucher. Soyez clair dans la description. Ici je peux voir les valeurs. Je vais aller dans les attributs, on va lui donner un nom un peu plus explicite, le label encore une fois, c'est le nom qui va s'afficher pour l'utilisateur final, une petite description. Donc j'explique ici ce que fait ce filtre, ce filtre va appliquer un effet de fourrure sur votre votre calque, sur le calque sélectionné. En dessous, vous pouvez mettre une catégorie, vous pouvez bon, vous pouvez mettre votre nom. Moi dans mon cas, je vais rajouter que j'appartiens à Adobe. Et vous pouvez mettre votre site internet, si besoin, vous pouvez mettre des tags, par exemple, pour le tag, je pense, que je vais rajouter peinture ou quelque chose de, du genre, painting. Mais bon, encore une fois, ça peut être un tag. Si votre filtre est lié à un projet, vous pouvez mettre le, le code du projet, par exemple. Comme ça, ce sera plus facile à retrouver. Encore que, je pense pas qu'il y ait des recherches, il n'y a pas encore de recherche par tag dans Photoshop. Mais bon, c'est toujours bien de le faire. Maintenant, je vais sélectionner. D'abord, je vais enregistrer mon projet, bien important. Il a déjà le bon nom parce que j'ai nommé le, le graphe. Et nous allons publier. Pour ça, je m'assure que le paquet est sélectionné. Je mets publier. Ça va me le publier au même endroit, comme ceci. Et maintenant, nous allons voir dans Photoshop Beta comment ça se passe. J'efface ça pour le moment. Je fais un petit plus. Vous voyez qu'ici, il y a un SBSAR avec le nom du filtre que nous venons de créer. Et il est ajouté. Donc maintenant, vous pouvez le tester et vous voyez que ça marche directement. Donc en fonction de ce que vous voyez, vous pouvez réajuster les valeurs par défaut, par exemple. Mais là, vous voyez quand même que bah, tout marche. Hein. Je vais pousser un petit peu la qualité. On joue avec les paramètres. Voilà, si j'ajoute des fils. Peut-être que je changerai la la fréquence par par défaut. Je, je ne sais pas si je l'ai exposé ici, mais c'est quelque chose que dans le mien j'ai exposé. Vous voyez qu'ici ça permet de donner un peu de directionnalité au warp, okay, qui peut être ça peut être utile. Ainsi les, fi les fibres vont toutes dans le même sens. Donc c'est un paramètre que vous pouvez contrôler. Il y, a, il y a pas mal de choses comme ça avec lesquelles vous pouvez jouer. Là voilà, par exemple j'ai mis quelque chose de beaucoup plus fin. Ça donne voilà un, cet aspect un peu de de fourrure brossée. C'est donc comme ceci que, que marche ce... qu'a été fait ce, ce filtre. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des idées de filtre, soit que vous voulez faire, n'hésitez pas à partager. Ou si vous voulez voir comment on peut les faire, bah, contactez-moi, on essaiera de, de voir si on peut faire ça. Merci encore pour regarder cette vidéo et on se voit bientôt. Bye bye